Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente petite révolution chez Toyota. Ça. Alors déjà, le nom, vous allez vous en rappeler, ou pas forcément au début, mais BZ4X. Première voiture 100% électrique de Toyota. Toyota, pourtant, c'était les pionniers dans l'hybride avec la Prius. Rappelez-vous, en 1997, ils avaient sorti une voiture hybride. À l'époque, c'était totalement délirant, mais les Prius, je pense que c'est vraiment la référence dans la voiture hybride et de la basse consommation, etc. Et là, ils se sont dit, si on sortait peut-être une voiture électrique, on est très bon dans les bilans CO2. Donc, ils n'étaient pas forcément pressés parce que grâce à toutes leurs hybrides, ils étaient très bas dans les quotas CO2. Ils n'avaient pas forcément besoin de sortir des voitures électriques pour combler en fait leur déficit de CO2, surtout en Europe, des voitures thermiques. Donc, ça y est, c'est arrivé, le Toyota BZ4X. BZ, c'est pour Beyond Zero. 4, c'est pour le format, un petit peu comme le RAV4. Et X, c'est un petit peu ce qui sort sur beaucoup, hein, comme la Aygo X, mais qu'on dit Aygo Cross. Pourtant, ça s'écrit avec un X. Mais voilà, ils aiment bien mettre des X. Et après, il y a une version tout-terrain. Donc, d'un côté, le X, on pourrait faire référence à une sorte de X pour les versions tout-terrain. Mais elle existe également en traction. Donc, je vous reparle de tout ça. Je vous donne toutes les infos sur cette voiture, les différents modèles qu'on a. On en parle comme d'habitude, on fait le tour de la voiture, je vous présente tout en détail. Ensuite, on va essayer un petit peu tout type de route. Alors, pas sûr qu'on ait de l'autoroute aujourd'hui parce qu'on est aux alentours de Copenhague et c'est pas facile de trouver des autoroutes ici, surtout sur la boucle qu'on nous fait faire. Je vais essayer de vous donner un petit peu le ressenti. En tout cas, à conduire, c'est très agréable. Je vous en dis plus dès qu'on est à bord. Alors, ce BZ4X, comme je vous disais, il est disponible en deux versions pour les motorisations. Donc, on aura le choix entre une traction, donc en deux roues motrices, qui fera l'équivalent de 204 chevaux avec un seul moteur à l'avant, et une version 4 roues motrices avec deux moteurs. Par contre, la version 4 roues motrices, c'est celle qu'on a aujourd'hui, donc all-wheel drive, le AWD. On va essayer, vous allez voir, on va faire des passages avec des croisements de ponts, on va faire des montées, on va passer dans de l'eau, puisque cette voiture est faite pour monter jusqu'à 50 cm d'eau. 50 cm, on est à peu près à là. C'est-à-dire qu'on peut submerger toute la partie électrique sans aucun souci. Donc ça, on va passer dans un petit guet d'eau. Et 4 roues motrices, 218 chevaux pour cette version, ce qui est plutôt correct. Et on verra à l'intérieur que ça envoie plutôt pas mal. On a une voiture qui fait environ 2050 kg en 4 roues motrices avec une grosse batterie. La batterie, elle fait 71,4 kWh sur les deux modèles. Donc dans tous les cas, vous avez cette puissance de batterie. Au niveau de la batterie, c'est une batterie à architecture 400 volts. On peut monter jusqu'à 150 kW de charge, donc avec les chargeurs rapides sur la borne Unity ou ce genre de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, la voiture est présentée tout juste. On a déjà des précommandes. Les premières voitures seront livrées à partir de septembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de septembre à novembre, vous aurez le choix seulement avec un chargeur embarqué de 6,6 kW. Si vous voulez la version 11 kW, il faudra attendre novembre. Donc, les premières voitures arriveront seulement avec le chargeur 6,6, mais on aura quand même la charge rapide à 150 sur les bornes rapides. Est-ce que vous, ça vous dérange? Alors j'aimerais bien que vous me répondiez à cette question. Est-ce que vous, ça vous dérange d'avoir un 6,6, parce que beaucoup de bornes et surtout beaucoup de câbles s'utilisent même jusqu'à 7,5 et la plupart du temps. Est-ce que vous, ça vous gêne d'avoir 6,6 ou est-ce que vous préférez vraiment attendre la version 11 kW si vous êtes intéressé par ce véhicule? Ça, c'est une question que je me pose. Toyota nous a dit qu'on a déjà quand même pas mal de précommandes avec les 6,6, mais j'aimerais bien savoir aussi votre ressenti à vous. Est-ce que vous avez besoin de ça en sachant que la charge rapide est quand même à 150 kW? Au niveau du rechargement, avec le 150 kW, en 30 minutes, on passera de 0 à 80%. Alors, on sera un petit peu moins si on a un petit peu de batterie. Là, ce qui est bien chez Toyota, il nous donne vraiment le 0 à 80. C'est rare qu'on descende vraiment jusqu'à 0. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on a 0 affiché au compteur, il nous reste toujours environ entre 5 et 10% selon les marques. Là, ils nous ont dit environ 8% d'autonomie lorsqu'on est à 0 compteur. Ensuite, si on recharge sur une wallbox, il faudra compter plusieurs heures et jusqu'à 39 heures sur une prise domestique de cafetière pour 0 à 100%. Ça, c'est rare, de plus en plus rare que les gens fassent ça. Ils ont aussi un service qui peut intégrer l'installation d'une borne à votre domicile avec des tarifs préférentiels. Au niveau de l'autonomie, deux autonomies données pour la version 4 roues motrices, 411 km. Ce qui est, je pense, réalisable. On verra pendant les scènes nos consommations. Après, pareil, avec la clim ou sans la clim. Les 411, pour moi, c'est sans la climatisation. Parce que là, vous allez voir, je vous le montre tout à l'heure, quand on allume la clim et qu'on enlève, il y a une grosse différence qui s'opère. La version traction est donnée pour 436.
et jusqu'à 516 km dans le pays des bisounours où on va rêver un petit peu, où tout va bien se passer, on n'utilise pas la clim, c'est totalement plat, on utilise la voiture dans les meilleures conditions. Au niveau de l'autonomie, on aura deux choix aussi selon les jantes qu'on va prendre. Si on a des jantes 20 pouces ou si on a des jantes 18 pouces. Les jantes 18 pouces vont permettre d'économiser un petit peu. C'est pareil, ça on verra selon les packs qu'on aura. La vitesse est limitée à 160 km/h sur les deux versions. Après, en électrique, ça ne sert pas à grand-chose d'aller beaucoup plus vite, sauf si vous avez une sportive. Mais au-dessus de 130 ou même déjà à partir de 130, on consomme déjà beaucoup plus d'énergie. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, entre 110 et 130, il n'y aura pas une toute petite différence de consommation. Ce sera vraiment un gros gap. Donc les voitures électriques, ça reste encore fait pour rouler en ville ou un petit peu sur autoroute. Mais l'idéal, c'est quand même de rester le plus bas possible parce que sinon, ça consomme énormément à 130 km/h. Vous allez vraiment affecter votre autonomie et vous allez vraiment limite diviser par deux l'autonomie annoncée. Au niveau de l'accélération, celle-ci 6 secondes 9 au 0 à 100, la version traction 7 secondes 5, c'est des performances plutôt honorables pour un véhicule électrique. Je vous disais 2050 kg pour cette version 4 roues motrices et environ 1900 kg pour la version traction. Donc on a une petite différence entre 100 et 150 kg parce qu'on a un moteur supplémentaire ici à l'arrière. Les deux voitures peuvent tracter dans les deux cas 750 kg avec une remorque non freinée. Au niveau de la garde au sol, on a 177 mm de haut, ce qui nous permet de passer à petit peu près partout. Et comme on est une version 4x4, ce sera plutôt intéressant. Au niveau de l'empattement, on a 2,85 m, ce qui permet d'avoir de l'espace à l'intérieur qui est assez record, qui est plus grand que dans un RAV4. Pourtant, un RAV4, on a quand même une voiture assez spacieuse. Au niveau du rayon de braquage, elle fera le tour entre deux murs entre 12,10 m. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,69 m, donc encore un petit peu plus long qu'un RAV4, 1,86 m de large sur 1,65 m de haut. Petite chose qu'on aura sur les versions haut de gamme, c'est le toit panneau solaire. Le toit panneau solaire, alors c'est dit que dans une zone du monde où il fait bien chaud, où il y a beaucoup de soleil, pas à Dunkerque par exemple, même si j'ai rien contre Dunkerque, on pourra récupérer jusqu'à 11 km environ de autonomie par jour. Donc c'est l'équivalent, ce qui est marrant, de 140 charges de smartphone. Donc si vous avez un téléphone, en gros, si vous rechargez 140 téléphones, ou si vous mettiez 140 téléphones ici, on pourrait rouler 11 km. Ça c'est fun. Voilà, petite info qui rigolote, qui sert à rien. Pleine face avant, ici directement, on a une voiture assez atypique. Ça fait très futuriste. C'est spécial. Dites-moi si vous aimez ou si vous aimez pas. Est-ce que vous aimez les choses qui sont vraiment très design, assez taillées à la serpe? Parce que là, on voit quand même, il y a quand même pas mal de lignes, il y a pas mal de choses assez design. Au niveau du capot, on voit le capot, il est en deux parties. Une partie noire sur la partie haute et une partie ici métallique. Ça, c'est une partie plastique posée dessus. Donc, c'est totalement différent. On a des lignes vraiment très spécifique à cette voiture. C'est des choses qu'on ne retrouve pas sur les autres, avec une sorte de petit bombage ici. On garde quand même les codes qu'on peut retrouver sur un CHR ou ce genre de choses, avec des remontées un petit peu, des lignes assez tendues. C'est assez spécial. Ensuite, on a une partie très plane avec le logo Toyota ici. Petit détail que j'ai remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on n'a plus d'entourage bleu au niveau du logo Toyota. Sur toutes les hybrides avant, toutes les voitures qui avaient une électrification, il y avait du bleu dans le logo. C'est comme ça qu'on différenciait une voiture hybride d'une non-hybride chez Toyota. Et là, on ne l'a plus. On a une ligne qui traverse tout le long, pareil, qui vient s'intégrer avec les feux de jour juste ici. Alors, on a des éléments de carrosserie. Par exemple, là, ici, c'est en noir laqué. On a du noir derrière les feux. Pareil, sur le feu à l'avant, enfin, sur le phare avant, on a une partie plastique de posée couleur carrosserie. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui sont ajoutés un petit peu partout, qui font que ça donne quelque chose d'assez spécial et en tout cas très très atypique. Les feux, alors j'aime beaucoup. On a 4 blocs LED ici à l'intérieur, avec des petits rappels BZ, le clignotant et un petit réflecteur sur le côté ici. Donc la signature de jour qui va prolonger grâce à ce bandeau ici, donc là lui qui n'est pas lumineux. Une partie très plastique, ça je vous le remonte sur le côté. En fait, ils ont mis des arches plastiques, mais avec un entourage qui vient un peu plus loin. Vous savez, souvent on a l'entourage sur les SUV, mais là, ils l'ont vraiment poussé jusqu'à là. Donc ça vient du côté, jusqu'à devant le feu. Toujours des entrées d'air ici pour l'aérodynamisme. Donc ça se fait sur quasiment toutes les voitures électriques de nos jours. Et là, on peut voir qu'il y a vraiment une grosse partie aéro. Une partie totalement peinte, donc pas d'entrée d'air ici parce que les moteurs électriques, il n'y a pas besoin d'être refroidi, mais quand même une grille pour aller refroidir le système de batterie qui lui peut chauffer.
une partie ici, comme on peut le voir, un petit peu métallique, comme si c'était en alu, un petit peu microbillé, et une lame tout en plastique sur toute la partie basse. Donc comme je vous disais, une garde au sol de 177 mm, ce qui permet normalement de franchir quasiment tous les trottoirs, ou si vous faites un petit peu de off-road plus terrain comme ça, ça devrait passer, surtout avec le différentiel. C'est lui qui va vous aider surtout à franchir des obstacles. Sous le capot ici, on retrouvera pas de fringues. Ça, c'est un petit peu dommage. On a quand même un grand coffre, je vous montre juste après. Mais sur les véhicules électriques, j'aime bien avoir un fringue. Ça permet de ranger les câbles et de ne pas avoir à stocker ça à l'arrière avec le chargement qu'on a. On a la conduite de niveau 2 grâce aux caméras là-haut et aux capteurs qui sont bien cachés juste ici derrière. En tout cas, ça, on verra pendant la conduite, ils sont très efficaces, toutes ces aides à la conduite. On a une petite caméra qui est intégrée ici, tout comme on les retrouvera sous les rétroviseurs. On a un pack de caméras 360 HD, s'il vous plaît. Et ça, c'est une belle nouveauté, parce que chez Toyota, jusqu'à là, j'étais vraiment pas fan des caméras. Là, ils ont fait vraiment un bel effort. Bravo Toyota. Sur le côté, moi, première chose qui m'a marqué, c'est ces nouvelles arches ici. Donc, comme vous pouvez voir, elles vont vraiment très loin. À l'arrière, c'est pareil. C'est pour moi la première chose du style qui m'a... Waouh, ok. Donc, arche en plastique pour donner ce côté SUV. Souvent, vous savez, ça fait vraiment juste le tour ici. On en parle assez souvent dans les vidéos. Et là, ils l'ont vraiment prolongé ici jusqu'à l'intégrer dans le feu et jusqu'à dans un bout de lame. Alors, on a une partie ici, au cas où qui se démonte. Hein, c'est pas toute l'arche entière. De ce côté-là, à l'avant gauche, on a l'attrape électrique pour pouvoir recharger. Comme je vous disais, 6,6 en embarqué et jusqu'à 150 en combo. Pour le moment, et à partir de novembre, on pourra avoir les versions 11 kW en chargeur embarqué. Donc deux prises ici avec bien sûr la prise combo. Je referme ma petite trappe et c'est marqué électrique en gros sur la trappe. Ça, là, vous ne pourrez plus vous tromper. Des rétros ici en noir, les caméras comme je disais, le petit répétiteur de clignotant. Comme on a le toit panneau solaire sur cette version, on n'a pas de biton. Le toit panneau solaire, lui, sera disponible seulement sur la version à la plus haute gamme également. Au niveau des finitions, on aura la finition pure, origine et origine exclusive. Et il y aura une prochaine version qui arrivera, ce sera la Prime, qui inclura encore un petit peu plus d'options. Au niveau des tarifs, on n'a pas le droit de vous les donner encore, à partir du 1er juillet seulement les tarifs, donc bientôt. Mais je peux vous dire qu'on sera entre, pas très loin, hein. On m'a autorisé à vous donner une petite fourchette, et je vous avoue qu'on sera pas très loin, à partir de 47 000 euros jusqu'à 57 000 euros. Pour la première version jusqu'à la version haut de gamme. Sur le côté, donc ces arches ici, alors partie séparée souvent, c'est collé. Là, on peut voir une partie différenciante, plastique ici, donc ça c'est pour toujours donner ce côté un petit peu passe-partout. Une ligne qu'on connaît un petit peu chez Toyota ici, donc qui vient redescendre, ensuite une autre qui vient se fondre. Alors c'est des lignes assez marquées, mais avec des petits arrondis, assez sympa, qui vient se refondre dans le feu ici, et ça contraste avec des choses beaucoup moins arrondies et plus... ce que je veux dire. Des poignées type frigo, on a le keyless aussi, donc on peut appuyer sur le bouton lorsqu'on a la clé dans la poche. On a toujours la petite serrure de verrouillage ici, la garde au sol toujours un petit peu plus de 17 cm. On a des grandes jantes avec des pneus en Bridgestone, alors je ne sais pas selon les versions qu'on aura, selon les pays, quels seront les pneus montés. Et aujourd'hui, on a les jantes en 20 pouces, donc ça va péjorer un petit peu l'autonomie. Si vous voulez un petit peu plus d'autonomie, les jantes en 18. Après, franchement, je préfère avoir du style sur ma voiture, avoir une autonomie un petit peu plus faible, mais avoir des jantes qui en jettent un petit peu. Sur la partie arrière, on peut voir vitre surteintée, un très long béquet ici. Alors, très spécial, fondu ici à l'arrière au milieu, je vous remonte de l'arrière, mais un très long béquet ici qui vient s'intégrer avec la petite antenne requin juste là-haut. Allez, sur la partie arrière, donc comme je vous disais, ce long béquet ici fondu à cet endroit-là. Alors, pourquoi pas, d'un côté, ça amène un petit peu plus d'aéro qui va venir... s'appuyer sur cette lame ici et là, quand même emmener les flux d'air vers l'arrière. Première chose qu'on peut noter aussi, c'est ce grand bandeau lumineux qu'on retrouve de plus en plus sur les nouvelles voitures. Souvent les électriques qui commencent à initier ça, mais ça commence à se retrouver sur un petit peu tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce grand bandeau lumineux? Alors d'un côté, je pense pour la sécurité, c'est bien de voir au loin une voiture grâce à ce grand bandeau. Sur les côtés, ça s'allumera seulement sur les côtés en plein phare. On a des éléments full LED ici à l'arrière et le feu qui vient bien jusqu'à sur le côté avec un réflecteur sur la partie extrême. Le logo Toyota ici, donc toujours pas de bleu comme je vous disais, la caméra de recul ici, le nouveau nom BZ4X. Alors je vous avoue que s'il n'est pas noté là et que vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture, vous pourriez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc.
Heureusement que c'est marqué là BZ4X. Donc BZ, ça va être toute la nouvelle gamme de chez Toyota des futures voitures 100% électriques. Donc BZ, c'est pour le Beyond Zero, en dessous de zéro. Ça, c'est pour parler des émissions de CO2. Le support de plaque ici, donc là, on a support belge, partie peinte, et ensuite tout l'arrière ici, le pare-choc arrière est entièrement en plastique sur cette version. Donc, pourtant, on est sur les versions haut de gamme, donc pas de partie peinte. Des réflecteurs ici, une sorte de diffuseur, un petit peu comme sur une voiture sportive, qui n'est pas forcément utile puisqu'on n'a pas de fond plat sur cette voiture. Et le coffre. Le coffre, on a un assez grand volume, on a le hayon automatique. Le hayon automatique ne sera pas disponible si vous prenez le crochet d'attelage. Petite subtilité à avoir. Et dans le coffre, on a, vous savez combien, 452 litres. Si vous preniez l'option JBL avec le caisson, on aura 11 litres en moins. Ce qui n'est pas déconnant. 452 litres. Je peux m'intégrer à l'intérieur tranquillement. 452 litres, c'est assez spacieux. Le caisson JBL est là, sur le côté, dans cette partie, donc on n'aura pas un petit peu plus d'espace de ce côté-là. Au niveau des banquettes, on peut rabattre en deux tiers, un tiers. On a une fixation Top Taser Isofix sur les deux sièges d'extrémité. Et j'ai la plage arrière ici, alors avec une grosse partie là, donc je reviendrai en mettre de cette façon. Alors il faudra bien penser à la relever à chaque fois pour ne pas que ce soit gênant dans le coffre. Mais sinon, on a quand même pas mal d'espace, hein, regardez. Moi, je suis 1m80, je peux tendre les jambes de cette façon. Ça, c'est quand même assez agréable. On a les petits crochets ici pour attacher ce que l'on souhaite de chaque côté. Et sous le plancher, j'ai encore un rangement de quoi mettre mes câbles. Donc là, par exemple, j'ai deux câbles. J'ai ce câble-là-ci, plus un deuxième câble. Et il y a même un extincteur. Alors, l'extincteur, je ne suis pas sûr qu'il soit fourni d'origine de série avec. Mais on a encore du rangement ici. Alors ça, c'est vraiment pas mal pour au moins mettre ses câbles, parce que souvent quand il pleut, etc., pour ne pas mouiller le coffre et avoir cette partie-là à dispo. Alors, les places arrière de ce BZ4X. Bon, j'ai quand même pas mal d'espace. La voiture est assez haute. Donc moi, je suis 1m80, comme vous pouvez voir. Je viens m'asseoir et j'arrive sur le banc. Donc, si vous êtes tout petit ou assez âgé, il faut peut-être un petit peu d'aide pour monter. La portière, hop, je referme. Alors, c'est un minimum moussé là-haut. Sur le côté aussi, j'ai une partie laquée ici. Alors, il fait assez sombre dans cet habitacle de BZ4X. Tout est noir. Tout est noir partout. On aura le choix de plusieurs intérieurs. Donc ça, je vous laisserai découvrir sur le configurateur. Par contre, regardez l'espace que j'ai au niveau des genoux. Je peux tendre mes mains. Pourtant, j'ai des grandes mains. Hein. Je fais du XL en main. Bah, ok, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'espace. La cave à pied, c'est vraiment pas mal. Sous le siège, là, moi, je conduis très, très bas. Je peux pas passer mes pieds en dessous du siège, mais j'ai de quoi vraiment mettre mes pieds assez loin. Au niveau de la banquette, je la trouve assez basse. Bon, on a un plancher plat avec des batteries, donc forcément, ça remonte un petit peu par rapport au toit. Au niveau du toit, comme vous pouvez voir, je ne touche pas là-haut. Moi, je suis 1m80, comme je vous disais. Et je suis plutôt pas mal. J'ai un petit peu de maintien ici au niveau du haut des épaules, qui est plutôt correct. L'assise, c'est des sièges tout neufs, mais un petit peu ferme, mais sans trop l'être. On est pas mal. L'accoudoir avec la languette, bravo. Double accoudoir, à peu près à la même hauteur. On est bien. Là, j'ai vraiment de l'espace sur ma gauche. C'est pareil, là, c'est vraiment très grand. J'ai de quoi mettre une bouteille sur le côté ici, même deux. Une moyenne bouteille et une petite bouteille. La coudoir ici. Ouais, je suis pas mal. Hein. J'ai les sièges chauffants sur trois positions ici à l'arrière. J'ai deux ports USB-C. Donc ça, USB-C, c'est bien parce que ça, c'est quand même l'avenir. Et la climatisation, je peux régler la ventilation et la direction de mes aérations. Troisième ceinture directement intégrée sur la banquette. La place du milieu. Plancher quasiment plein. Alors, on a un tout petit tunnel central. Alors, comme ça, alors je ne sais pas pourquoi, on continue toujours de mettre un tout petit, mais pas gênant. J'ai encore de quoi mettre mes pieds ici en plein centre. Au niveau de la tête, si je vais sur l'arrière, je vais toucher, mais en étant positionné droit, aucun souci. Je suis plutôt bien à cet endroit-là. Alors, le dossier est dur parce que c'est un accoudoir, donc forcément, c'est un petit peu plus ferme. Le siège aussi, un petit peu plus ferme, mais les ceintures ne me gênent pas. Je peux faire un petit bout de chemin ici sans trop de soucis. Lorsque je rabats la banquette, je tire ici. La ceinture reste sur le côté. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Non, c'était mal mise.
mais il y a un petit plastique qui fait en sorte qu'elle reste sur le côté, plancher quasiment plat, ce qui nous offre quand même un assez grand volume. Ce qui est assez marrant, c'est une toute petite custode ici à l'arrière, vraiment toute petite, une petite meurtrière. Les fenêtres sont assez grandes et elles s'ouvrent entièrement. Ça, c'est un vrai plus. Coudé à la portière. Et vous avez vu, sur la fin de l'ouverture ou de la fermeture, ça ralentit un petit peu. Alors j'aime bien, regardez, hop, hop. Ça, c'est très cool. C'est un petit détail, mais j'aime bien. Deux grandes poches ici dans ces sièges, donc pas de cuir, simili-cuir, puisqu'ils ne veulent plus faire de cuir pour ne pas tuer des animaux. Allez, je vous emmène à l'intérieur. Donc, je vous montre la portière ici. Donc on a du dur moussé. Alors c'est pas très moussé, c'est assez dur, mais c'est un petit peu moussé. Partie plastique, après des éléments juste pour faire joli, un petit peu chromé ici, du piano black ici, la poignée, cette partie ici qui est un petit peu matelassée. Ensuite, des parties plastiques. Là, de quoi mettre des petites bouteilles ici. Donc, on pourra en mettre deux. J'ai du siège électrique pour moi conducteur. Le siège passager, lui, ne sera pas. Donc, les réglages ici. La mémorisation des deux sièges. La poignée. Ça, toujours, comme on connaît sur beaucoup de voitures, les Asiatiques aiment bien faire ça. Sinon, on a quand même le verrouillage ici directement. La commande de fenêtre, la commande de rétroviseur ici. On a, pour pouvoir les rabattre, et ce que j'ai bien aimé, c'est lorsque je passe la marche arrière, si je tourne la molette, en fait, ça va me baisser les rétroviseurs. Ça, c'est une petite astuce mécanique sportive. Les sièges ont un assez bon maintien. Comme vous pouvez voir, ils sont assez creusés. Donc ici, et surtout, les bourrelets sur les côtés des sièges vont faire en sorte que vous allez avoir un très bon maintien. L'appui-tête ressemble à ça. Et les sièges, donc, de cette façon. Comme vous pouvez voir, ils sont micro-perforés puisqu'on a les sièges climatisés. Donc, on a les sièges chauffants et ventilés sur cette version aujourd'hui. Hop, le BZ4X sur le tapis, de couvrir le capot là. Et le pédalier ressemble à ça, avec un gros repose-pied, comme vous pouvez le voir, sur la gauche. Allez, je m'insère ici à l'intérieur, je vais m'en reculer. Siège électrique, donc ça recule gentiment. Alors, ici, lorsqu'on est à l'intérieur, voilà le point de vue conducteur. Ça ressemble à ça. Un grand écran là, une grande partie plane, et un petit écran au-dessus du volant. On ne peut pas le voir ici, parce que lorsque je conduis, je serai comme ça, si je mets le volant trop haut. Donc, on va regarder, comme chez Peugeot, au-dessus du volant, avec une sorte d'affichage tête haute. Donc, on n'a pas d'affichage tête haute plus haut, parce que ça, ça sert un petit peu d'affichage tête haute. Donc, pareil, vous pouvez voir, il y a un gros travail de design qui a été fait autour de tout ça. Donc le volant, lui, alors, où est-ce qu'on le trouve là? Il est réglable en profondeur et en hauteur. Donc il faudra bien trouver sa position. Alors je vous avoue qu'au début, c'est pas facile. Le volant assez atypique ici, avec beaucoup de commandes, une grosse partie là. Alors ça, comme sur les Prius, les premières, enfin, il y avait des grosses parties au centre. Sur la gauche, ça va être les menus qu'on va faire défiler là-haut, téléphone, décrocher le téléphone, rentrer dans les menus, le volume, la commande vocale, et sur la droite, ce sera les aides à la conduite avec le régulateur, le centrage de voix, conduite au niveau 2, et les modes ici que je vais avoir pour, par exemple, les radios. Le volant, ici pareil, un petit peu typé cuir, mais pas de vrai cuir. Sur la gauche, ici, les clignotants. De cette façon, et les feux avec un mode feu automatique et anti-brouillard. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces et le mode plein phare automatique s'activera juste ici pour la nuit. J'ai de quoi ouvrir le coffre à cet endroit-là, un aérateur ici, deux aérateurs au centre à cet endroit-là et un autre juste là-bas. Cet écran ici, donc comme on peut le voir avec toutes les infos, la consommation, là, depuis qu'on a commencé l'essai, 16,3 kWh au 100, ce qui est plutôt correct. Les infos avec les aides à conduite, l'autonomie restante, et pas mal d'infos, l'heure là-haut, et la température. Il fait bien moins chaud pendant qu'il fait 35 à Paris. Il fait 20 ici, à Copenhague. Là, ici, j'ai des caméras intégrées. On verra pendant l'essai ce qui se passe avec ça. Mais c'est un petit peu embêtant pour moi, je trouve. Et ensuite, vraiment, cette partie-là, hein, qui vous amène bien à l'écran, assez futuriste. Cet écran ici, beaucoup plus grand, 12,3 pouces tactile sur le côté, très réactif. Alors ça, bravo Toyota, parce que ça change, il y a vraiment une belle évolution comparée à ce qu'il y avait avant.
j'ai les radios et autres, la navigation. La navigation est pareil, ça ressemble un petit peu à Google Maps, c'est plutôt bien fait, j'aime bien, et ça se trouve même, ils bossent avec Maps directement. En tout cas, j'ai bien aimé, ils n'ont pas fait de brief particulier, mais ça fonctionne bien. Ensuite, le volume ici, alors je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un volume, vous savez, qu'on puisse tourner dans cette voiture, parce que ça met un petit peu de temps lorsqu'on veut monter ou descendre le son, ou sinon on peut faire le mute avec la touche audio désactivée. Ensuite, on a pas mal de réglages ici qui va être tout ce qui est climatisation, chauffage, siège chauffant sur 3 positions ou en auto, ou 3 positions, et siège ventilé, on peut laisser en auto également ou sur 3 positions. Volant chauffant, qui est bien pratique pour l'hiver, pareil auto ou 2 positions, la clim en mode éco, et ensuite dégivrage avant-arrière, la ventilation, je peux régler plus ou moins forte de cette façon, la température que je peux régler ici, ou je peux faire en bizone, synchroniser la climatisation et où est-ce que je vais me faire ventiler. Pare-brise dégivrant pour l'hiver, bien pratique. Ici, on a des petites touches pour l'éclairage et réinitialiser le compteur. La touche démarrer la voiture est ici, donc le mode power. On appuie et en appuyant sur le frein, ça démarre la voiture. Ici, on a tout ce qui va être conduite. Le frein de stationnement, donc frein à main de parking. Le mode de régénération ici. Le auto-hold. Auto-hold, ça vous permet de ne pas avoir à freiner lorsqu'on est en ville. On arrive à un feu, la voiture s'arrête, on relâche la pédale de frein. Ici ensuite, on va voir le bloc de commande. Donc, parking, j'appuie ici. Neutre, j'appuie vers le bas. Drive, j'appuie vers le bas, je tourne à droite. Reculer, j'appuie vers le bas, je tourne à gauche. Ça m'active les caméras de recul. Alors, la voiture fait énormément de bruit. C'est difficile d'enlever tous les sons, mais le tum, 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 on ne pourra pas l'enlever. On peut juste désactiver les bip-bip de parking, donc des radars de recul. Hop, parking. Mode éco, donc ça va être pour une conduite plus éco. Les caméras, je peux les activer juste ici. Donc là, par exemple, vous voyez, ça fait le tour de la voiture d'une façon très marrante. J'avais jamais vu ça sur une autre voiture auparavant. Donc ça me donne mon environnement. Ensuite, j'ai le park assist, donc qui va me permettre de stationner la voiture automatiquement. Le X-Mode qui va s'activer ici. Alors, on ne peut pas parce que le régénération boost est activé. Donc, je désactive le One Pedal Drive, en gros, enfin quasiment le One Pedal Drive. Et là, je vais pouvoir activer le mode neige-terre, donc le mode X, qui va permettre de faire du 4x4 avec le blocage des différentiels. Et ce n'est pas One Pedal Drive, hein, c'est juste la régénération avec une sorte de gros mode B. 7, c'est pour régler la vitesse lorsque je vais descendre en côte et désactiver le SP si on est dans la neige ou autre qu'on a besoin. Ensuite ici, à l'intérieur, j'ai un chargeur par induction et comme vous pouvez le voir, c'est transparent, c'est plutôt joli. Au cas où je recevais une notification, il se passe quelque chose si c'est fermé. On retrouve un port USB type A à cet endroit-là. Je peux refermer. Double porte-gobelet. La clé ressemble à ça. C'est des clés qu'on connaît chez Toyota. Très simple avec l'ouverture du coffre. Le AC, c'est pour l'après-conditionnement. Et ouvrir ici. Double porte-gobelet. Avec un petit rangement ici et la couloir qui coulisse, donc un petit peu moussé sur la partie, et je peux ouvrir. Et j'ai encore un rangement à cet endroit-là avec de la moquette au fond pour ne pas que ça fasse du bruit comme c'est plastique. La vue ressemble à ça lorsque je suis conducteur. On a une partie ici en tissu qui revient ici faire le tour un petit peu, toute une partie assez plastique. Les enceintes JBL dans cette version-là et aux extrémités. L'écran, donc pareil, qui est suspendu ici. Et, surprise, on n'a pas de boîte à gants dans cette voiture. Pas de boîte à gants parce qu'ils se sont dit qu'on allait mettre un grand espace ici pour pouvoir ranger des choses. Donc, c'est fait, on nous a dit, de quoi mettre un petit sac à main pour madame ou vos affaires. Alors, dites-moi, mesdames, est-ce que votre sac à main passe ici? Deux ports USB type C à cet endroit-là. Une prise 12 volts. Allume cigare et de quoi mettre son téléphone qui peut glisser ici pendant qu'il recharge. Et là, pareil, donc un petit peu de moquette à cet endroit-ci. Sur le haut, on a un rétroviseur ici avec un bord assez fin, électrochrome, donc de nuit qui se teintera automatiquement. Là-haut, j'ai ça, alors avec un truc de carte qui peut se mettre ici. Alors je vous avoue que moi j'aurais peur de mettre ma carte là, l'emmener comme ça et comme un tour de magie qu'elle ne revienne plus, mais normalement ça ne devrait pas le faire. Et la LED qui s'allume dès que vous ouvrez. Microphone ici pour quand vous parlez, là-haut de quoi désactiver l'alarme, et ici donc on va voir l'éclairage
ici en LED, en blanc, la touche SOS est éclairée de chaque côté, si vous le souhaitez. Voilà à quoi ça ressemble ce BZ4X en totalité. Bon, on va l'essayer et on va voir ce que ça donne sur la route. Bon, c'est parti, je suis avec notre ami Vincent. Vincent, bonjour. Bonjour Nicolas. Dis bonjour aux gens. Bonjour les gens. Voilà. Vincent, journaliste de... Masculin.com. Masculin.com, il y a des essais de voitures, de tout, ce qui est pour vous, les hommes. Avec une voix virile, les hommes. Les hommes. Nickel, bon, on va faire un petit tour. Donc, on commence par la ville et ensuite, comme d'habitude, on essaye de faire tout type de trajet avec la boucle qui nous est programmée. Parce que, bon, ici, on est au Danemark et je vous avoue que je connais pas aussi bien que la France. Donc, pour le secteur, j'appuie drive vers la droite. Si je fais ça, reculer, c'est vers la gauche, reculer. J'ai les caméras de recul, les 360. Une belle vue ici avec des caméras HD. C'est assez sympa. Il y a le bruit, par contre. Je sais pas si je peux désactiver le bruit. Non, mais j'ai plusieurs possibilités de ça. Parc, il y a quand même pas mal de réglages ici également. Bon, en gros, ça, si vous n'aimez pas le bruit, garez-vous vite. Je relâche le frein, ça avance tout seul. J'ai la petite touche hold ici au cas où ça n'avance plus. Donc la touche hold, ça c'est bien pratique. Je sais pas si toi tu aimes, en tout cas en ville. C'est pratique en ville, c'est chiant pour se garer. Effectivement, quand on se gare, c'est vrai que ça, des fois ça s'arrête et on veut juste jouer un petit peu sur la pédale. Il faut ne pas oublier de le désactiver. On a ça. Régénération boost. Désolé, merci. Temporairement indisponible. Ok, parce qu'on a la batterie à 100%. On pourra l'utiliser juste après. Sur des petits pavés, c'est pas mal. Pour l'instant, ça. L'amorti sur... C'est doux, c'est doux. Ouais, c'est plutôt bien filtré. J'ai un rétroviseur énorme ici. Une visibilité pas trop mal. Bon, premier constat, c'est de l'électrique. C'est assez calme dans l'habitacle. On a juste les bruits de roulement qu'on entend un petit peu. Mais sinon... Bon, je sais pas si c'est bruyant à l'extérieur ou pas, mais... On n'entend rien en tout cas. Ouais, c'est super bien insonorisé. Bon, sinon, à l'intérieur, t'es comment, toi? Bien, mais je trouve assis un peu bas, ouais. Quand même. Tu peux régler ton siège en hauteur? Oui, mais c'est manuel. Ah, toi, t'es manuel? Oui. Moi, par contre, regarde. C'est pas pour frimer, mais... Et oui, là, je suis manuel. Bon, le volant est quand même assez spécial, hein, comme je le disais tout à l'heure. On aime ou pas. Après, on est bien, les accoudoirs sont plutôt confortables. Ils tombent sous le coude. Enfin, moi qui ai des grands bras, avec le volant. On a une partie ici, alors... Ça fait un petit peu comme chez Peugeot, un petit peu avec le cockpit chez Peugeot qui est en hauteur. Donc selon la position que vous allez avoir, je pense qu'il vous faudra... non, c'est tout droit. Il vous faudra peut-être un petit peu de temps avant de vous y habituer et trouver votre position. Par contre, l'avantage comparé à Peugeot, c'est qu'on a plus d'espace ici entre l'écran et le rétroviseur. Mais j'ai un petit peu de mal en fait là-bas. J'ai l'impression qu'il faut conduire avec le volant un petit peu bas comme chez Peugeot. Et je suis pas hyper fan d'avoir le volant bas. Il est pas très grand. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, tu vois, il est quand même assez petit. Il est petit, ouais. Donc je pense qu'il est vraiment fait pour être mis sous les compteurs. En accélérant un petit peu plus, ça roule ici. C'est 50 en ville au Danemark, comme chez nous. On a un camion à droite. Belle Jaguar type là-bas. Bon, on entend que ça reste toujours bien insonorisé. Là, on est en plein milieu du trafic. J'entends pas du tout ce qui se passe autour de moi, à part le gros camion qu'on entend légèrement. À 50, il n'y a pas de vibration, pas de bruit de moteur dans la direction, c'est assez direct. Elle est plutôt légère. Et en vrai, c'est pas mal. L'accélération, la reprise. C'est pas mal. C'est très bien même. Pour ce genre de voiture, on s'attendrait pas à ça. Sur les défauts, la suspension filtre quand même vraiment bien, je trouve. C'est très bien suspendu. C'est confort en fait. Ouais. Les sièges, on est plutôt bien dedans. Il y a un qui maintient ici au niveau du côté. Alors il glisse un petit peu parce que c'est. Alors c'est pas du vrai cuir, il n'y a plus de vrai cuir dans ce modèle, c'est que du simili. Mais on est bien. Ils sont un petit peu fermes quand même. Alors je pense que c'est parce qu'ils sont tout neufs aussi. Ouais, mais honnêtement, on est bien calé, je trouve. Et. Alors, si je me mets mes modes, alors
régulateur adaptatif, centrage de voie, rés. Et là, c'est bon, j'ai tout activé. Donc, j'ai ma conduite de niveau 2 et ça va jusqu'à l'arrêt. On est à l'arrêt. Est-ce que ça va redémarrer tout seul? Est-ce que ça va redémarrer? Non. Non. Donc, je me mets un petit coup sur la pédale de droite et je relâche. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis un petit coup sur la pédale de droite. Elle m'a pas mis un gros à coup. Certaines voitures le font. Là, j'y ai touché avec un petit hop. Elle m'a remis un départ très assisté sur le départ. Et donc là, j'ai toujours touché à rien. Je suis bien les lignes. Ça, c'est quand même pour moi le minimum sur les voitures modernes de nos jours d'avoir ces assistances de niveau 2. Bon, elle se débrouille bien. À gauche, j'ai un trottoir. Devant, elle suit l'Audi. Elle reste bien au milieu de la voie. Il y a pas bon, de. C'est on pas se mal. Balade pas dans la voie, c'est bien. Ouais. Ah, elle. Et pourtant, il n'y avait plus de lignes. Elle hésite un petit peu, mais franchement, elle suit bien. Et comme vous pouvez constater, ça fait longtemps que j'ai pas touché au volant. Elle m'a encore rien dit. Bon, là par exemple, on est obligé de reprendre. Mais elle a pas sonné dans tous les sens et autres. Et ça, c'est très agréable. Là par contre, je reprends la main. Hop. Donc, dès que je freine, ça désactive tout. Et je me remets un petit rez. Et c'est reparti. Et franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup cet écran aussi. Parce qu'il est quand même assez joli. Pour une Toyota. Il est grand déjà. Il est grand et bien défini. La qualité est top, ouais. Il y a un beau contraste, alors je pense qu'on peut peut-être le mettre un peu plus fort même. Mais je suis bluffé, parce que les autres Toyota jusqu'à là, je n'aimais pas du tout. Je le disais dans les vidéos, avec ce gros écran carré, c'est tout sur le côté qui faisait années 90. Et là, même, voilà, il y a un effort. Les commandes de clim sont... Ouais, complètement. Alors je ne sais pas à quoi sert ce feu ici. Ok, lui s'est pas arrêté, je ne m'arrête pas. Ok, il y a des feux, je sais pas. Il y a des feux qui sont à des endroits où je ne comprends pas. Dans un coin. Ah, c'est peut-être le feu pour dire que de l'autre côté de la route, il y a un feu en fait. Bon, allez, on va aller se faire les obstacles. Alors, je sais pas si vous pouvez voir là, deux croisements de pont. Je vais vous faire quelques plans extérieurs également en même temps pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et on va tester ça. Donc, ils ont mis une vraie version 4x4. J'appuie ici sur le X-Mode. X-Mode, c'est comme on peut voir, hein, c'est avec les 4 roues qui vont fonctionner. Donc là, le monsieur est là pour me guider. Je ne sais pas si je peux activer mes caméras. Donc là, j'ai mes caméras et je peux voir à peu près où je vais mettre mes roues. Et là, donc, l'avantage de l'électrique, c'est que ça se fait très, très délicatement si je veux. Et le gros avantage, c'est que je peux également avoir en électrique... beaucoup de couples, même si je m'arrête à n'importe quel moment, et en fait j'ai pas besoin de jouer avec l'embrayage. Alors là je sens les roues qui patinent un petit peu, et là par exemple je sens que la voiture est en train de bouger, et là j'ai vraiment les roues en l'air. Et si je redémarre, grâce à l'électrique, j'ai du couple tout le temps et c'est assez facile. La voiture bouge dans tous les sens et on y va gentiment. Le monsieur nous suit et c'est quand même assez extraordinaire. Tout droit. Et là, je peux voir vraiment où je pose mes roues quasiment. Et c'est quand même assez impressionnant. Et c'est très très fun. Et surtout, ça se fait en toute délicatesse. J'adore pouvoir me balader comme ça et avoir les roues en l'air. Et là, on a quand même du gros croisement de pont dans la vraie vie. Ça se fait rarement comme ça, et surtout on a un différentiel autobloquant entre les 4 roues, et ça c'est très avantageux. Cette fois-ci on va passer dans de l'eau. Alors la voiture est faite pour aller jusqu'à 50 cm d'eau, donc ça veut dire qu'on peut immerger totalement la batterie. Et donc là, comme vous pouvez voir, alors là je sais pas si vous voyez, mais on arrive vraiment dans une piscine. Et l'eau normalement ne devrait pas s'infiltrer. Ouais, c'est vraiment au niveau des portes. Alors là, pour un nettoyage des jantes, c'est nickel. Le collègue qui nous guide ici gentiment. Et grâce pareil aux 4 roues motrices, ça y va tout seul, surtout qu'on a des plaques métalliques en bas en dessous. Et ça grippe franchement super bien. Et j'ai pas les pieds mouillés. Impeccable. Donc en cas de grosse inondation, vous pouvez utiliser votre Toyota BZ4X sans problème. Bon, par contre, il y a quand même beaucoup de bip. Hein. Bon. Et on peut activer
aussi la régénération ici. Alors, pas de palette derrière le volant. Donc là, par exemple, c'est pas activé. J'ai pas de freinage régénératif. Par contre, une fois que je l'active, j'ai le petit logo, comme la pédale ici avec le pied et deux flèches, qui va me dire que j'ai activé la régénération. Donc, cette fois-ci, j'accélère. Et au moment où je vais relâcher, j'ai une forte décélération. Donc en gros, c'est un mode B, puisqu'on ne l'a pas directement au niveau du sélecteur ici. Il faudra appuyer sur ce petit bouton. Attention, inattention conducteur détectée. Alerte vigilance. Alors, si je ne regarde pas toujours la route bien droit, ou si je mets ma main ici, la voiture va me dire « Eh, on ne voit pas ta tête, on ne voit pas ce que tu fais. » Ou si je vous parle comme ça un petit peu trop longtemps, il va me dire « Eh, tu ne regardes pas la route. » Donc ça, c'est le petit truc un petit peu gênant. Bon, il y a beaucoup d'aide à la conduite dans cette voiture et on ne peut pas le désactiver. C'est un petit peu embêtant. Sinon, là, donc, je dois tourner à gauche, j'anticipe, je relâche gentiment. Les freins à l'arrière s'allument bien évidemment. Et là, je touche à rien et je vais quasiment jusqu'à l'arrêt. Mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Sur la fin, c'est vous qui avez besoin de freiner. Bon, ça c'est bien, si vous anticipez bien, vous allez beaucoup moins user vos plaquettes parce que vous n'utilisez pas de freinage mécanique, hein. C'est juste de la régénération électrique. Par contre, dommage qu'il n'y ait pas un vrai One Pedal Drive. One Pedal Drive, c'est, ça aurait été jusqu'à l'arrêt. Après, vous pouvez quand même utiliser ce genre de choses si vous suivez une voiture avec la conduite de niveau 2 qui, elle, ira jusqu'à l'arrêt et repartira toute seule. Mais ça ne fonctionne pas dans toutes les conditions. Sinon, au niveau de la consommation, là on traverse en gros Copenhague de long en large depuis tout à l'heure et on a une moyenne de 17,1 kWh au 100. On a la climatisation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que clim éteinte, si je fais off, voilà, il faut bien appuyer, ça m'indique 400 km au tableau de bord. Je rallume la clim, ça m'indique 318 km. Donc ça fait quand même une très très grosse différence. Et là, ça vous prouve vraiment que la climatisation, ça consomme quand même pas mal. On a une pompe à chaleur sur cette voiture. Pour une pompe à chaleur, ça consomme moins qu'une climatisation normale. Mais on voit quand même une sacrée différence là au niveau de la consommation qui est quasiment de 20%, quoi, voire un petit peu plus. Donc, l'hiver ou l'été, la voiture fera plus ou moins 300 km, 300, 350, plutôt que ouais. Ce qui est annoncé des 400, voire 500. Elle est donnée pour 411. 411, celle-ci ouais. Avec les 4 roues motrices. En haut de gamme. Parce que selon les jantes que vous allez avoir, si vous avez les 20 pouces, ça consomme également un petit peu plus que des 18 pouces, parce qu'il y a plus d'inertie, plus de résistance au vent, etc. Donc, c'est un tout, en fait. Mais après, maintenant, on sait, avoir 300 km, en réalité, c'est pas mal pour la plupart des gens, parce que bon, on fait rarement 300 km. Et sur les bandes d'autoroute, vous allez avoir des bandes tous les 200 km, vous pouvez recharger. Donc, au final, c'est pas trop mal. Et comme c'est pas une voiture qui est faite pour se dire, bon, bah, on va traverser toute l'Europe tous les jours, pour moi, c'est convenable. Enfin, ça le fait. Petit shop Aston Martin, on s'arrête. Ouh, il y a de belles jantes. Ouh, elle est très belle celle-là. Ouh, une Zagato. Regardez, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais une belle Zagato en break comme ça. Ça. Ça court pas les rues. Là, on sort un petit peu de la ville. On arrive à 60 km/h. Hop, je me mets 60, régulateur, toutes les aides. 60, ça monte de km/h en km/h. Le centrage et autres. Hop. C'est quand même très très calme. C'est doux, c'est vraiment doux. La suspension, on sent que c'est assez confort. C'est quand même bien silencieux. Non, on n'entend absolument rien, même quand on était en ville ouais. Tout à l'heure. À 60 en tout cas, c'est vraiment top. 50, c'est encore un petit peu mieux. Mais je suis assez bluffé par cette voiture, par l'isolation. On a juste les bruits de roulement, ça aurait pu être un petit peu perfectible. Parce que c'est vrai qu'il y en a certaines, dans à peu près cette gamme de prix, qui font un tout petit peu mieux. Et niveau accélération, on est quand même propulsé ouais, on est pas mal, hein. Assez facilement. 336 Nm, c'est vraiment pas mal. Et carrément. Bah, tiens, il y a un feu, on va pouvoir se faire un 0 à 50. En attendant le 0 à 100 tout à l'heure en sortant de la ville. Le freinage, on freine gentiment. C'est rouge.
ça va passer au vert. Et là, on va se faire un petit décollage imminent. Oh, c'est vert. 50, 60 en fait, sans faire exprès. Heureusement que c'était 60 ici. On ne dépasse jamais les vitesses. Jamais. Jamais. En aucun cas. Et ben, franchement, ça accélère bien. Ça accélère très bien. C'est efficace. En ville, pour l'instant, ouais. Ça patine pas comme beaucoup d'électriques qui sont juste des tractions. Là, on sent qu'il y a vraiment le 4 roues motrices qui aide. Et, ouais, on sent que c'est équilibré. C'est... Ouais. C'est pas trop puissant, c'est pas assez. Je pense que c'est le bon milieu. En plus, on a un doja sur la pédale d'accélérateur qui est vraiment agréable. C'est même si j'ai de la puissance, bah en fait, comme je vais pouvoir doser assez bien sur la pédale, et après, quand je vais tout en haut, oui, effectivement, ça va accélérer fort. Mais, ouais, mais c'est, on sent que le feeling est fait, ouais, c'est ça. C'est, il y a de la puissance, mais ça déborde pas de partout, quoi. Et ça reste assez agréable. Alors, me voici à l'arrière de ce BZ 4X. Comme vous pouvez voir, il y a de l'espace. Moi, je suis bien. Mon appui-tête ici. Ouh, par contre, j'avais pas vu. Appui-tête assez ferme, chauffeur. Le siège, donc pas mal, hein, comme je disais. J'ai de l'espace au niveau des genoux. Pourtant, ce siège arrière est quand même pas mal reculé. Bon, bah, je suis bien. Les fenêtres sont assez grandes. J'ai toujours ma petite meurtrière ici, là, sur le côté. On est pas mal. La suspension, même à l'arrière, elle a l'air plutôt confort. Au niveau des bruits, c'est pareil, c'est toujours très bien insonorisé. J'ai un petit peu plus de bruit de roulement. Alors, en plus, on n'a pas fermé la plage arrière, donc ça mène un petit peu de bruit du coffre, mais très léger. Et toujours ce confort, hein. En vrai, ça reste très agréable. Là, lorsque mon conducteur freine un petit peu, les sièges sont un petit peu inclinés, donc je suis plutôt bien maintenu. Est-ce que, conducteur, vous pourriez faire des virages de gauche à droite assez assez virulents? Eh bien, j'ai quand même un maintien pas trop mal, puisqu'au final, c'est assez creusé là. Ça, c'est rare. Et si tu peux en faire des un petit peu plus longs appuyés? Ouais, je me balade un petit peu, ça glisse un petit peu parce que c'est du simili-cuir. Mais il y a quand même un minimum de maintien, donc c'est pas mal. Et au niveau de la scie, je bougeais pas trop. Donc à l'arrière, franchement, je suis plutôt bien. On aurait pu avoir un toit panoramique, mais comme j'ai choisi de vous montrer la version avec les panneaux solaires, donc pas de toit en verre. Ce qui aurait amené un petit peu plus de luminosité. Alors je vous avoue que moi j'aime bien la luminosité, mais je voulais voir à quoi ressemblait ce panneau solaire quand même. Bon, et bien pour une fois, 90 km/h, c'est Vincent qui conduit, moi je suis en passager. Et à 90, on va avoir le retour de Vincent. Ça bouge pas. Confortable, agréable. Par contre, on entend quand même, tu vois, le roulement, ah bon. Les bruits de roulement se commencent à être un peu plus présents. C'est vrai. Mais sinon, on sent pas la vitesse. Vraiment. C'est vrai que la vitesse, 90, on a l'impression d'être en ville, quoi. Ouais, ça roule tout seul. Très doux. Mais par contre, ouais, c'est un peu moins bien insonorisé, j'ai l'impression, tout à l'heure. C'est vrai. Mais en tout cas, ça reste confort. Mais c'est vrai que les bruits de roulement, ils commencent à se faire entendre un petit peu. Après, attention, parce que c'est une voiture 100% électrique, on n'entend rien d'autre. Donc, pas se faire piéger à ça. Mais c'est vrai qu'on les entend comparé à d'autres voitures pour 90 km/h, on les entend un petit peu. Sinon, voilà à quoi ça ressemble. Hey. Ouais, toi, t'es fou. On a presque la même couleur. Oui, on est inversé. Ah, c'est. C'est corporate. Ah ouais, putain, c'est vrai, on est vraiment inversé. Ouais, on est inversé. Ah, vous avez vu. Eh, c'était même pas prévu en plus. Alors, il y a le X-Mode ici avec. Alors, ça, c'est de la caméra toujours devant. Je vous avoue, ça m'embête. Je peux set ici sur plusieurs vitesses, bas, moyen, haut. Donc, je vais régler la vitesse d'avance de la voiture pour de la montée ou de la descente. Donc, en gros, à partir du moment où j'ai activé le X-Mode et j'ai set ma vitesse, je vais avoir juste à toucher au volant et la voiture va monter jusqu'à là-haut. Je peux également activer mes caméras ici. Et en gros, là, je lâche juste la pédale d'accélérateur et la voiture va monter toute seule. Et tout ça dans le calme et... Ok, je vous avoue que c'est juste banant. C'est vraiment... Ok, ça monte tout seul. C'est assez hallucinant. Donc là, je relâche. Le gris contrôle est activé. Je ne touche plus à rien, à part le volant. Vous avez vu, je suis en descente. Et là, franchement, c'est assez...
c'est bluffant. J'adore faire ça en voiture. Je crois que la première fois que j'ai fait ça, c'était avec un Raptor l'autre fois. Et là, je touche à rien. Et ça y va tout doucement. Donc la voiture va gérer le grip et la descente à une vitesse très correcte. On espère avoir trouvé un petit bout d'autoroute. Ah, sur l'entrée d'autoroute, il y a un feu. C'est pas facile de trouver aux alentours de Copenhagen un bout d'autoroute pour vous faire, comme d'habitude, le petit bout 110-130. Hop, on double un petit peu. On est pressé. Sinon, ça va faire comme Mobilize. On va rater l'avion. J'ai pas envie... Non, c'est tendu. En plus, ils nous ont dit surtout rentrez bien à 15h. Et là, j'ai mis un bout d'autoroute. Et après, il y a au moins une demi-heure pour rentrer. J'adore la vie. J'adore les essais. C'est cool. Bon, en tout cas, voiture sinon agréable en ville. Franchement, c'est franchement top. Nickel en ville. Ouais, très agréable. Les petits reproches que j'ai à faire, c'est les bip bip qui sonnent tout le temps parce que elle a envie de sonner tout le temps. À part ça, c'est plutôt cool. Et juste, petit reproche, c'est moi, ici, j'ai mon mollet qui vient taper contre la partie plastique, ici, niveau des recharges et autres. Et ils ont mis un angle, alors plutôt que de bien arrondir là, c'est un petit peu, ça m'appuie un petit peu là au niveau du tibia mollet. Voilà, c'est le petit reproche que je vais faire. Sinon, les sièges, on est pas mal, on est plutôt bien maintenu. Et voilà. Et comme je vous parle, je regarde pas bien en face de moi et ça arrête pas de sonner, me dire, tu regardes pas en face de toi. Et ça, on peut pas le désactiver, c'est un petit peu dommage. Bon, après, normalement, vous parlez pas à une caméra comme ça, mais va vous le rappeler assez souvent si vous le faites pas. Hop. Bon, allez, c'est parti pour un 0 à 100. Allez, full gaz, on n'est pas parti bien droit, mais ça lance quand même bien 70, 80, 90 et 100, 110. Allez, c'est une autoroute, on s'insère 130. Bon, franchement, c'est pas déconnant, ça roule plutôt bien. L'accélération est quand même assez vive. Hein. Oui, ça va. Là, on se traîne pas. Ici. Allez, on s'insère tranquillement. Allez, on va les doubler. Alors, à 130. Un peu de bruit d'air. Un petit peu de bruit d'air. On entend au niveau des rétros un petit peu sur le pare-brise, mais ça va, ça reste contenu. Enfin, on est quand même à 130. On s'entend. On a un petit peu de bruit de roulement et on entend une petite résonance sur l'arrière. Ouais. Rien de méchant, mais. Voilà, on roulait quand même à 130 quoi. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Tout ça pour ça. Rendez-vous compte, on a fait 45 minutes de voiture pour ça. Alors, à 100. Là, on n'est pas forcément sur le meilleur des goudrons. La classe à devant nous laisse passer. Réaccélération. Franchement, il y a de quoi doubler. Donc à 110. Peu de bruit du vent, mais ça va. C'est quand même plus calme que... C'est vrai qu'à 130, on entendait quand même un petit peu plus et un petit peu plus de résonance qui venait de l'arrière. Mais bon, après, voilà. Comme on dit, ça reste une voiture électrique, donc on entend forcément plus, petit peu tous les bruits et autres. Et pas de vibration. Franchement, niveau vibration et tout, et amorti, dans la voiture, on est quand même super bien. Non, on est très bien, on est très confort. Franchement, vraiment, quelle que soit la vitesse... Et puis, rien à dire. Même au volant, enfin, j'ai pas de vibration, j'ai un bon retour et à haute vitesse. Franchement, la direction est très bonne. On a une voiture qui fait quand même 2 tonnes. Et pour un joujou de 2 tonnes, je trouve ça pas mal. Et elle prend un tout petit peu de roulis. Pas grand chose. Pas mal, franchement. C'est ça, une bonne voiture. C'est normal. Il y a 2-3 petites choses à améliorer, mais. Franchement, c'est agréable. On a une consommation depuis tout à l'heure à 17,8 kWh au 100, ce qui est plutôt correct pour un gros bébé de 2 tonnes comme ça. Et on a un petit mode éco que je n'ai pas du tout utilisé jusqu'à présent. J'ai utilisé le mode normal. Donc, on a le mode éco, le mode normal et le mode X-mode pour faire du tout-terrain. Le mode éco, donc, lui, va brider un petit peu la puissance qui va jouer sur la cartographie et la réponse à l'accélérateur. En gros, quand je mets 50% de l'accélérateur, ça va mettre en gros 50% des 50%. Pour vous faire une idée. Par contre, si j'appuie à fond et que je vais au kickdown, la voiture va bien sûr me redonner toute la puissance. L'avantage d'utiliser le mode éco, c'est que en fait, la courbe d'accélération va être plus lissée, donc vous allez consommer un peu moins que si vous faites un gros pic d'un coup. Donc ça va préserver également un petit peu l'autonomie en plus. Je pense pas que ça me change au niveau de l'affichage. Non, au niveau de l'affichage, ça ne me change rien. C'est juste vous allez une voiture qui va mettre moins d'à-coups. En fait, ça va être plus smooth au démarrage. Donc, si j'accélère,
ça va accélérer plus progressivement. Si je l'enlève, je refais la même accélération. On sent que c'est un petit peu plus brutal. C'est et encore, plus... voilà. Là, je suis à 25% de la pédale d'accélérateur. Par contre, en mode normal, quand j'accélère fort, on sent qu'il y a, on se prend quand même un... On est au fond du siège. Voilà, un vrai à-coup et on se fait vraiment entraîner. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien l'électrique pour ça. Ça nous emmène quand même. Il y a beaucoup, au Danemark, là, une EQS. On voit beaucoup de Tesla, on voit beaucoup de voitures électriques. C'est assez sympa. Je ne pensais pas qu'à Copenhague, il y avait autant de voitures électriques. On voit énormément de Porsche Taycan et autres. Donc, je pense que le BZ4, pour Copenhague, ça va être une voiture qui va avoir pas mal. On a vu pas mal d'ID4 et autres. C'est assez bluffant. Je ne pensais pas que le Danemark était aussi développé que ça sur les voitures électriques. Bon alors, ce BZ4X original, au niveau du look, du design, atypique, enfin quelque chose de 100% électrique de la part de Toyota. C'est vrai qu'on se disait, ils étaient pionniers dans l'hybride, ils n'avaient pas encore de véhicule électrique. Bon, ils ont réussi à faire ça. C'est agréable à conduire, c'est sympa. Au niveau des consommations, une moyenne à 18 kWh au 100, ce qui, on va dire, est dans la moyenne, alors pas forcément la moyenne la plus basse. On n'a pas pu faire beaucoup d'autoroutes parce qu'on était aux alentours de Copenhague et c'était quand même assez embouteillé les problèmes des grandes villes. Mais par contre, l'avantage dans ces grandes villes, c'est d'avoir ce genre de véhicule électrique pour pouvoir rouler tranquillement, sans consommer, sans émissions, sans vibrations, etc. Très confortable à basse vitesse et en ville, un petit peu plus bruyant à haute vitesse, mais pareil, ça reste assez contenu. J'ai bien aimé. Alors, deux, trois petites améliorations à faire. Alors moi, surtout, c'est les aides à la conduite et la caméra qui me fixait, qui faisait beaucoup de bruit. Alors, j'espère que d'ici la sortie du véhicule, il y aura quelques petites améliorations de fait. Mais sinon, c'est un véhicule plutôt agréable. À partir de environ 47 000 euros, comme je vous disais, on allait prix, mais on n'a pas le droit de vous les dire, mais on est très proche de ça, et jusqu'à 57 000 euros pour les versions haut de gamme, c'est ce qu'on m'a permis de vous dire, mais voilà, on sera vraiment dans cette tranche-là. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous seriez intéressé par prendre une Toyota, alors parce que bon, on connaît quand même la fiabilité de ces voitures asiatiques, on a quand même une assez grande confiance dans ces voitures. Après, c'est pas aussi design, aussi moderne que certaines pour l'intérieur, mais il y a quand même eu de gros efforts et pour ça, je remercie Toyota parce que avant, j'étais pas super fan de ces écrans très carrés et ça n'avait pas forcément de modernité. Là, ils ont quand même fait un bond en avant. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme ça, fait toujours plaisir. Des questions dans les commentaires en bas. N'hésitez pas à vous abonner, on est déjà 50 000. 50 000 ! C'est beau. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !